l'arbre et voir le fruit. Et il s'est dit, ben, il n'y a rien. Il n'y a pas une couleur suspecte. Il n'y a pas quelque chose qui puisse faire que ce produit puisse me faire du tort à moi. Peut-être qu'il a raison. Peut-être. Alors, ben, c'est ça. Elle est déjà tombée. Donc, elle dit, mais et ce fruit est bon pour trouver l'intelligence. Et pour, il se dit, mais allons-y. Une fois la décision prise, il va quoi? Étendre le bras, prendre le fruit. Une fois qu'il a pris le fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le donner à son mari aussi, hein, qui est auprès d'elle, dit le texte. Et donc, c'est le premier acte de totale liberté, entre guillemets. C'est-à-dire, ils vont contre la volonté de Dieu. Et désormais, bah, ils vont se remplir d'orgueil. Pourquoi je ne peux pas faire ça? C'est un peu comme les enfants. Hein? D'accord? On leur dit, non, à 10h du soir, tout va bien à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je te le dis. Hein? Mais il y a d'autres enfants qui restent plus longtemps, et ainsi de suite. Ils veulent gagner. Ils veulent se disputer. Ils veulent avoir raison, eux. D'accord? Mais en tant que parents, quand on dit à nos enfants de ne pas traverser la rue sans regarder, ce n'est pas pour leur faire du tort. C'est parce qu'on veut leur bien. Mais, quoi, eux, ils se posent des questions. Et le méchant, c'est nous, hein? Les parents, qui interdisent de faire des choses. Mais nous, c'est par amour qu'on leur prévient. Et Dieu, c'est la même chose. Et c'est Dieu qui passe pour le méchant. Tandis que le mal qui venait avec cela, elle ne le sait pas, mais ils le savent assez rapidement de toute façon. Et voilà, donc c'est la malédiction du serpent. On va le lire à nouveau, d'accord? Et comment s'appelle? Et verset 14 dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tout le jour de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je comprends bien, tu ramperas sur la terre. Ça veut dire qu'elle ne rampe pas. Avant cet événement, le serpent ne rampe pas. Est-ce qu'on sait quelque chose d'autre? Oui, le serpent a volé. Il y avait des selles. Ça, c'est le noir qui le dit, par contre.